Buenas noches, je pense qu'on peut dire qu'il est Buenas noches. Il est, oui, 9h30 presque. Ouais, 10h même, je pense. Non, 9h30, t'emballes pas. T'es sûr? Ouais, il nous reste encore presque 6h. Il fait nuit à 11h moins le quart. Non, il est 9h30. Oui, on est très au sud, il tient à l'entrée. Donc, en fait, on a passé une journée à rien foutre. À squatter à droite à chez gauche. Chez Debine, déjà. On a quand même stocké un petit moment chez Debine. De 10h du matin, on s'est fait éjecter. On nous a dit qu'on pouvait finalement rester dans la cuisine, puisque Caro est arrivé énervé. Soulignant bien qu'elle n'avait pas pu dormir à cause des je tairai le nom des pauvres cons qui ont fait du bruit toute la nuit jusqu'à 4h du matin. Oui, mais c'était plus la nationalité que je voulais éviter. Oui, bah ça c'est pas grave. Bon, on peut le dire à cause des pauvres connards. Pardon pour ceux qui... Qu'est-ce que tu veux, toi? Et ensuite, on a squatté le petit bar, on était avec Julie et Olivier, hein, c'est ça, ouais. C'est Olivier. Très sympa avec du très bon wifi, donc vous avez plein d'articles. Oh putain, oui, je me suis lâché. Du coup, on a pu publier tout ce qui était en réserve, enfin, Scaro a publié une partie de ce qui était en réserve. Et là, bah, du coup, on se retrouve dans la café San Martín, on va dire, c'est la rue principale, donc c'est forcément de San Martín. Oui, donc. De Calafate. Del Calafate, oui, que vous sachiez où on est tout de même. Parce que, il doit être 9h30, 10h. Caro me dit qu'il n'est pas 10h, mais moi je pense qu'il est 10h. Et que notre bus est à 3h du matin. Que nous n'avons déjà pas dormi l'année dernière à cause des... De nos très chers voisins. Nos très chers groupes israéliens. Que du coup, on va pas pouvoir dormir avant 3h. Qu'ensuite, on a 3h30 de bus, qu'on doit se réveiller, changer de bus. On a 2h pour changer de bus. Et après, on file à Ushuaïa pour 12h pendant la journée. Donc, ça va être sympa. Ah oui, sachez non plus qu'à Ushuaïa, si vous devez y aller, réservez parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Donc, il n'y a pas d'hôtel et que du coup... si vous avez un moment, vous aurez un hôtel un peu cher. Voilà. Comme nous. Donc là, on va essayer de trouver un bar qui va nous accueillir avec Wifi, si possible, bon Wifi, aussi bon Wifi que tout à l'heure pour que vous puissiez avoir des. Et avec des tout notre bordel. Ah oui, parce qu'on a un peu de bordel. On a démultiplié les sacs depuis qu'on fait la cuisine quand même. Les chiens nous aiment non, bien, on comme d'habitude. Place, on est déjà et donc voilà, on vous tient au courant si on arrive à trouver un bar, mais à mon avis, c'est maintenant, on va finir dans le hall de la gare comme d'habitude. C'est parti pour une nouvelle nuit de loose. Allez, salut les petits rapporteurs. Bon, les petits rapporteurs, il est maintenant 2h30, je pense. Et j'ai une grande nouvelle à annoncer à François. Donc là, c'est la gare de El Calafate qu'on a squatté 3 bonnes heures. On a dormi comme des pauvres merdes sur le banc. Et puis, François, le bus est là. On peut grimper. On peut grimper ? Ouais. À cette heure-là, c'est normal, hein. Il a de chance, c'est toi qui l'as pas pris sa pilule.